Bah voilà, bah la claque, la claque, la punition, là, tout ce que vous voulez. Dernier match à domicile, on se prend 6-2. On voyait bien qu'un jour ça allait exploser, que l'extra sportif allait plus jou se jouer sur le terrain aussi. C'est un A, et elle l'a montré. Pour moi, c'est ça depuis le mois de d'octobre, hein, quand on a vu qu'ils étaient premiers, bah, c'était un peu l'équipe intouchable et je pense que oui, ils sont méritants. Est-ce que ça excuse tout? Non, je ne crois pas. Mandanda, qui remplace Gelukens qui est parti, lui, à Westerlo. Bah, Mandanda, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Passoire, c'est peut-être méchant, mais c'est peut-être ce qui résume le mieux sur lui. Après, c'est pas le seul fautif. Hein. Andjuli lui provoque un penalty. Sur un but, il fait une passe en retrait ben, que le joueur de Esterlo récupère et marque le but. Il y en a deux pour Andjuli. Ça, c'est sûr qu'il y a deux buts que c'est pour lui et peut-être que les autres, oui, c'est pour Mandanda. Ces sorties sont un peu. J'ai eu peur, à chaque fois j'ai eu peur. Je pense qu'à un moment j'ai. Oh non, j'en pouvais plus. Ce match était très dur, très dur. On va sûrement descendre en amateur avec ou sans Lopez. Mais moi je veux plus de Lopez. Quoi qu'il arrive, il doit partir. Ou alors il va nous faire un comeback comme l'année dernière, on va dire. Mais non, on va pas. Notre licence, on peut. Je pense qu'on peut en rêver. Hein, parce que du plus. C'est un très beau but. Et je suis aussi content que Teddy Chevalier ait marqué. Ça peut lui faire que du bien. Mais après, ce qu'il a sorti en fin de rencontre, je pense que ça va pas changer grand-chose. Il y a, dans ce match, tout n'est pas à jeter. Loin de là. Il y a des choses très très bonnes à garder. J'espère que Bakic se remettra facilement de sa blessure. Et j'ai beaucoup aimé la rentrée des jeunes qui ont apporté un certain dynamisme. Hein. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Simba, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Lalou, Junta et Vroman. Et c'est des bons petits jeunes et franchement, avec ces jeunes, on peut essayer de construire une équipe pour l'année prochaine. Voilà. Salut et plus tard pour le prochain débriefing contre Beveren. Allez, Mokro.